Wake up! Pull yourself together, Henry. Dans seulement quelques jours, la Gamescom 2024 ouvrira ses portes avec la traditionnelle conférence Gamescom Opening Night Live de Geoff Keighley, ainsi qu'un gigantesque salon accessible aux joueurs du monde entier avec énormément de jeux à essayer. Et pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu plus facilement, surtout si vous souhaitez vous rendre sur place, on tenait à vous proposer une liste des 10 plus gros jeux qui ont d'ores et déjà confirmé leur présence pour cette fameuse Gamescom 2024. C'est parti! Attendu depuis de très nombreuses années désormais, Crimson Desert sera bel et bien jouable à la Gamescom 2024 et je sais que ça va en ravir beaucoup d'entre vous. Dès dire même des développeurs, cette démo débutera sur les champs de bataille féroces aux côtés des mercenaires Greyman où les joueurs se familiariseront avec les bases de l'attaque, du blocage, de l'esquive et des compétences spéciales tout en affrontant des hordes d'ennemis. On pourra aussi faire la rencontre de différents boss avec la nécessité de miser sur des composantes de gameplay assez différentes pour triompher, tandis qu'on devrait aussi pouvoir explorer une partie du monde ouvert. Enfin, il sera aussi question de quelques cinématiques afin que les joueurs puissent commencer à se familiariser avec le scénario et les principaux personnages du soft. Autant vous dire que c'est plutôt bon signe pour ce titre, car même si on ne connaît pas encore sa date de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, cela signifie tout de même que le développement progresse et qu'on devrait aussi avoir un aperçu du jeu pendant la conférence Gamescom Opening Night Live. Allez, on enchaîne avec Dune Awakening qui a apparemment confirmé sa présence sur le salon et pour la fameuse conférence avec la promesse d'un aperçu approfondi de son gameplay. Pour rappel, il s'agira d'un MMO en monde ouvert dans lequel les joueurs devront tout faire pour survivre sur la planète la plus dangereuse de cet univers. Arrakis nous laissera ainsi faire face à tout un tas de créatures, nous faire des alliés et utiliser les relations qu'on va tisser avec eux pour tenter de percer à jour le mystère caché sous la surface des sables. On pourra même y créer notre personnage et notre propre base en choisissant chaque pièce de bâtiment, ou encore fabriquer armes, armures, véhicules, outils, modifications et bien plus encore. Autant vous dire que l'expérience proposée s'annonce ultra dense, et avec un peu de chance, on aura même droit à une date de sortie pour ce soft attendu sur PC, PS5 et Xbox Series. The relay is ahead, through the arch. On passe désormais à Warhammer 40k Space Marine 2, un jeu que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience, et je dois bien vous dire que c'est aussi mon cas. Et d'ailleurs, si vous souhaitez connaître mon premier avis sur ce titre, je vous ai proposé une preview il y a quelques jours, dans laquelle je vous partage mon ressenti sur le gameplay et les différents modes de jeu après y avoir passé plusieurs heures. Mais bref, dans Warhammer 40k Space Marine 2, on incarne le lieutenant Demetrian Titus, et on va tenter de mettre à mal l'armée de tyrannides qui va constamment déferler sur nous. Pour cela, on va évidemment pouvoir miser sur notre puissance, notre armure et tout un tas d'armes toutes plus puissantes les unes que les autres. Et bon Dieu que j'aime le côté épique de ce jeu. Il sera aussi question d'un mode opération en coopération à 3 joueurs et d'un mode PVP. Donc clairement, il y aura de quoi faire sur ce Warhammer 40k Space Marine 2, un titre prévu pour le 9 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series uniquement. Battleship? Yep. Let's get a closer look. Parmi les exclusivités Xbox les plus attendues de cette année, il y a évidemment Indiana Jones et le Cercle Ancien, et bonne nouvelle, il sera présent lors de la Gamescom Opening Night Live. Dans ce titre, on incarne évidemment le célèbre aventurier alors qu'il va partir explorer le monde à la recherche d'un mystérieux artefact. Clairement, on sent que les développeurs portent beaucoup d'amour à ce personnage, tant l'ambiance et le côté humoristique des dialogues ont l'air vraiment réussi, mais mine de rien, on n'a pas encore vu énormément de choses quant au gameplay du jeu, et on espère donc qu'on aura droit à un bel aperçu à ce niveau-là, avec sans doute une date de sortie, en espérant que le jeu ne soit pas reporté à l'année prochaine. Mais bref, pour le moment, Indiana Jones et le Cercle Ancien est prévu pour cette année sur PC et Xbox Series uniquement, avec une arrivée Day One dans le Xbox Game Pass Ultimate. Hands behind your head. Terrific fire style.
Quelques jours après nous avoir gratifié d'une bien belle bande-annonce pour son mode zombie, Call of Duty Black Ops 6 sera à nouveau à l'honneur de la Gamescom, avec une présentation et une démo de gameplay de sa campagne solo. On va donc retrouver des personnages bien connus de la licence, tandis que la guerre du Golfe retient l'attention du monde entier. En fait, ici, expulsés de leur agence et bannis du pays qui les a autrefois accueillis en héros, le vétéran des Black Ops, Frank Hood, et son équipe se retrouvent traqués par la machine militaire qui les a créés, et j'avoue que j'ai quand même très hâte de voir ce que ça va donner. Cette présentation marquera également le coup d'envoi de la bêta ouverte du jeu qui aura lieu du 30 août au 4 septembre pour ceux ayant précommandé le jeu ainsi que les abonnés Game Pass et du 6 au 9 septembre pour tous les joueurs. Et pour rappel, Call of Duty Black Ops 6 est attendu pour le 25 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Watch out for that clock. Après l'énorme succès rencontré par Monster Hunter World et Monster Hunter Rise, il était logique de voir Capcom continuer sur sa lancée et Monster Hunter Wild sortira donc en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous l'aurez compris, si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il sera bel et bien présent pendant la conférence et sur le salon pour proposer un nouvel aperçu aux joueurs. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a quelques semaines, Momo s'est rendu à Los Angeles pour poser les mains sur le jeu et vous proposer une preview en avant-première, alors n'hésitez pas à aller la voir. Quoi qu'il en soit, ce Monster Hunter Wild se présente comme le digne héritier de la franchise, avec une formule qui évolue légèrement, des monstres toujours plus gros, la possibilité de miser sur l'environnement pour triompher et l'intégration d'une météo dynamique qui pourra avoir un réel impact sur la visibilité et le déroulé des combats. Autant vous dire que j'ai super hâte d'en voir plus personnellement. Présenté comme un jeu de rôle très attendu, Kingdom Come Deliverance 2 sera bien au rendez-vous de la Gamescom, lui qui est toujours prévu pour cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. On s'attend donc à avoir droit à une date de sortie définitive. Quoi qu'il en soit, ce second opus nous place aux commandes de Henry de Scalis, un jeune homme assez ordinaire qui tentera malgré lui d'accomplir des choses assez extraordinaires, pris dans une histoire de vengeance, de trahison et de découverte, alors qu'il se lance dans un périple assez épique qui l'amènera de son humble forge jusqu'à la cour des rois dans un monde médiéval et brutal. En bref, un titre qui devrait vraiment tirer parti de son univers pour proposer une aventure épique. Police are together, Henry. Study the past if you would define the future. Officialisé à l'occasion de la dernière conférence en date chapeautée par Geoff Keighley, à savoir le Summer Game Fest du mois de juin dernier, Sid Meier's Civilization 7 sera présent lors de la Gamescom 2024. Pour le moment, il est prévu pour 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même Nintendo Switch. Et dans ce titre, on va donc se mettre dans la peau d'un des plus grands dirigeants de l'histoire. On va pouvoir établir notre civilisation en construisant des villes et des merveilles architecturales, étendre notre territoire, partir à la conquête de civilisations rivales ou coopérer avec elles dans notre quête de prospérité et ainsi explorer des contrées inconnues. Il n'y a plus qu'à avoir un petit aperçu de gameplay et ça sera parfait. He is wrong. Exclusivité Microsoft tout récemment reportée au 18 février 2025 sur PC et Xbox Series, EVOV sera bel et bien de la partie lors de la Gamescom pour une nouvelle démo de gameplay, et c'est clairement un titre qui va miser sur son univers coloré et sa dimension RPG pour tenter de nous attirer dans ses filets. On va être ainsi un émissaire d'Aedir, un pays lointain, et on va devoir mener l'enquête sur une épidémie se répandant sur les terres vivantes. Des mystères, des secrets, des dangers et des aventures nous attendent sur cette île où nos choix auront des conséquences et où la nature est vraiment restée sauvage. Là encore, si vous souhaitez en apprendre beaucoup plus sur ce titre, je vous invite à aller voir notre récente vidéo à son sujet. Become what the living lands truly needs. Its protector. Enfin, je me devais de vous parler de Stalker 2 Heart of Chernobyl, un titre qui a eu droit à une grosse présentation il y a seulement quelques jours et qui sera également jouable sur le salon. Il va donc être question de notre retour dans la zone d'exclusion de la centrale de Tchernobyl, et en tant que Stalker à la recherche de précieuses ressources dans ces environnements apocalyptiques, on va parcourir différents décors et tenter de survivre face aux gangs humains et autres menaces ennemies, pouvant aussi prendre la forme de créatures mutantes ou de radiations. Un périple qui devrait aussi miser sur son côté horrifique et survie en proposant de nombreuses
séquences assez sombres, avec en plus un système de choix et conséquences qui auront évidemment un impact à court, moyen et long terme sur l'intrigue. Pour rappel, Stalker 2 Heart of Chernobyl est prévu pour le 20 novembre prochain sur PC et Xbox Series, avec une arrivée Day One dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire concernant ces 10 gros titres confirmés pour la Gamescom 2024. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous attendez le plus et même si vous allez vous rendre à la Gamescom pour en essayer quelques-uns. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Et je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier de Jeux Vidéo Magazine et ainsi recevoir tous les mois votre exemplaire dans votre boîte aux lettres. C'était Adrien pour JVM. Ciao tout le monde.